Parce que je ne suis pas connecté avec le wifi là-dessus. Ah bah je te le dis. Il faudrait que... Je t'ai envoyé par SMS. D'accord. Je t'ai envoyé en... Ouais ça là. Enlève l'enregistrement, enlève. Pourquoi? Parce que t'es à 100%, je t'ai déjà dit, tu pouvais pas. On pouvait pas se m'empêter, on pouvait pas le faire. D'accord. Voilà, là ça va descendre, voilà. Ouais, sinon ça fait laguer. Ah sinon ça fait laguer, c'est... J'ai, pour l'instant, j'ai mis en mute, hein, ça. Là, t'as mis le son de là-bas. Ouais. Ben, sur le prochain point, t'as qu'à le laisser comme ça, sur le prochain point. Voilà, vas-y, tac. Comme ça, non. Ouais, vas-y, comme ça, pour faire un test, vas-y. Attends, ils sortent, là. Non ? Non, mais laisse-le comme ça. Vas-y, switch. Voilà, tac. On va le laisser comme ça, laisse-le comme ça pendant... Aller me chercher le score, Francky. J'arrive pas à me connecter. Un partout, tu m'as dit, un partout pour qui? Service qui, là? Merde, c'est pas l'an et l'air, c'est... Sale, tard. C'est pas parfait? Non, c'est pas parfait. Ah bon? Ouais. Tu vois...
Ouais, c'est bizarre. Hein. Par rapport à Amsterdam, dès qu'il y a 2-1, il faudra que tu me dises qui a fait 2-1. Ouais. 2-1, carité, le pense. 2-1, carité, le pense. Service, okay. Allez, on va mettre le live score. Là. Ici. Je pense que là c'est bon. Regarde. C'est bon. Est-ce qu'on le voit? C'est dommage, hein. C'est le wifi qui est pas très bon, alors. Vraiment? Je pense, ouais. Pourquoi il est bien? C'est bien parce qu'il est en hiver, on est bien. Tu veux commenter, Francky? Ouais. C'est toi. Est-ce que le score c'est bon? Tu le vois pas? Ok. Oh, je vois pas le. Ah, il est 4 en 42. Non, c'est bon? Il y a 0,4, mais je l'ai pas. Ouais, mais parce que c'est un retard un peu. Mais tu veux pas aller quoi? Si, si, il est. Tu veux commenter, c'est parti. Hein. Non, on va suivre. On peut passer un test caméra là-bas. Tu veux? On prend le test caméra là-bas. Avec le caméra mobile. Non, moi ça m'étonne pas. Hein. Si. Le wifi, il faut que ça soit vraiment très très bon pour que la qualité soit bonne. T'as le wifi. Mais par rapport à ce qu'elle est à Amsterdam, non. Mais tu crois que si on se met en bas de routeur, ça fait. Peut-être. Mais la 4G est pas excellente. Hein. Hein, la 4G est pas excellente ici. Non, la 4G est pas bonne. C'est bon, non, quand même. Hein? C'est pas mal, quand même, non? Ah, t'as ta GoPro. Ouais, je t'ai dit. On pourra la faire une troisième, là. Malheureusement, on pourra la tenir qu'à la main.
Je n'ai que ça. Je n'ai pas d'embout, je n'ai pas de. On pourra la tenir à la main et au moins l'avoir avec nous, tu vois, faire un truc. Putain, mais ils vont pas leur foutre 4-1 quand même. Hein? Ils vont pas leur mettre 4-1 quand même. Il y a 3-1. Il y a 3-1 là. Pour qui? Pour Salinas qui a arrêté. Ouais. 3-1-35. Ouais, j'ai mis le sang. Ouais, je le gère avec ça. Je suis à la caméra. Ok. Thank you.
5. Hein. C'est un truc de malade. Attends, le câble il est un peu court. Je vais te mettre une rallonge. Voilà, il faudrait que tu te mettes là avec la chaise. Non, je sais pas. Ouais. Un petit peu, une oui. Minute ou rien. Allez, C'est là. Hop, tiens, je te mets. C'est bon. Je pas encore fait du tout. En fait, c'est. Ouais, on a. Ouais, faut, on, non, ouais, mais il faut demander.
Ou alors on va voir Franck à la limite. Ouais. Parce qu'il a des grandes rallonges. Comme ça on peut le mettre à peu près partout. Quoi.
Bienvenue en direct du Toulouse Padel Club. Donc pour assister au quart de finale entre Cédric Carité, José Luis Salinas contre Joanne Bergeron et Bastien Blanquet. Donc vous avez le score sur le live, mais à un partout dans le second set. Donc Cédric Carité et José Salinas ont remporté la première manche 6-2 à 1. Voilà, donc j'espère que vous vous régalez, hein, parce que c'est vraiment du grand pardon. Joe et Bastien ont eu du mal à se mettre dans le match. Pour les 7, ils ont fait quand même beaucoup de fautes. Il y a des tueurs pour eux. Et là, on voit clairement que dans cette deuxième manche, on va avoir un match beaucoup plus serré. Là, les points sont plus disputés, moins de fautes. Jeu pour Joe et Bastien qui mènent 2-1 dans le second set. Voilà, donc à côté de nous se joue l'autre quart de finale. Donc entre François Autier associé à Justin Lopez contre Pierre Etienne avec son fameux bandeau noir. Alors je sais pas si vous le voyez, mais voilà, il l'a, hein, Pierre Etienne, Morillon. Avec notre ami Benjamin Tison. Et par contre, je connais pas le score, donc je peux pas vous renseigner. Voilà, donc on a une grosse journée, là, il y a eu beaucoup de matchs. Là, ça y est, c'est en train de se calmer un petit peu. Mais ouais, depuis 9h, là, ça joue. Il n'y a que des matchs accrochés. Donc vraiment, on a pris beaucoup de plaisir là, toute la journée à Toulouse. Avec vraiment des joueurs qui sont constants, en forme, super motivés, donc c'est un régal. Allez, le jeu reprend. Service Salinas. Ah non, service Cédric Carité. Ouais, très bien joué de la part de Cédric là qui a feinté son smash. Cédric a des volées toujours très agressives, donc qui recule un peu les joueurs dans leur vitre, et puis qui est capable aussi comme là de sur un coup de toucher de surprendre ses adversaires. 40-0. Bravo. Deux jeux partout. Okay.
On est reparti donc là sur une balle de 4 jeux à 2 pour l'équipe Salinas Carité. Ça y est, c'est fait, 4 jeux à 2 dans le second set. Voilà, les choses se compliquent vraiment. Bon, vous avez vu hein, la qualité de ce match de Salinas qui vraiment plane sur cette rencontre. Je crois que là, il a vraiment mis son empreinte sur le match. Et puis Cédric joue très bien à côté, fait pas de faute. Voilà, et c'est vrai que Joe et Bastien font quelques fautes un peu inhabituelles. Je pense aussi dû au fait qu'en face 2, ils ont deux très bons joueurs. Donc voilà. 15-0. Quel point ! Ah, c'est magnifique, vraiment bravo, bravo, bravo. Ah, Bastien s'énerve là, on sent de la frustration, mais Rosé Salinas leur fait de tout là. Je crois que vous avez vu sur ce point un peu la panoplie du joueur du gaucher qui non seulement a la technique, mais vraiment une petite patte gauche qui est, on ne sait jamais où il joue, il est vraiment très très fort. Hein. Alors je peux vous dire que Rosé Salinas qui fonce dans les vitres, on est à côté, c'est quelque chose. Ça fait un bruit. Il y avait Francky là, j'ai cru qu'il allait. Voilà. Allez, Joe et Bastien qui ont la possibilité de rester dans le match là. C'est important parce que ce jeu il est très important pour eux. Sinon. Quatre jeux à 3 dans le second set. Bah alors je sais pas si ça se voit de chez vous, mais alors ici, je peux vous dire, il fait très froid. Hein. Donc on se réchauffe comme un peu, mais. Donc suivant après ces matchs, il y aura les autres quarts de finale. Donc qui vont opposer Jérémy Scatena, Jérémy Ritz face à Erwan Nicole et Loïc Tapp. Voilà, et l'autre quart de finale, que je dise pas de bêtises, ça doit être Laurent Boulade avec Olivier Henriot, Arnaud Henriot, pardon, contre Loïc Le Pense et Max Moreau. Voilà, on revient sur notre partie. Donc je vous rappelle le score, 6 jeux à 1 et 4 jeux à 3 pour la paire Carité Salinas. Allez, on espère que ces jeux vont être accrochés là parce qu'on a envie que ça, on a envie que ça s'accroche, on a envie de voir des points de fou et de voir une fin de second set qui soit vraiment intéressante. Service Carité. Ah, magnifique. Superbe. Ah, ça, c'est des points importants qui peuvent les relancer. Là, vraiment, Bastien, on le sait, hein, il sort très vite dans les vides. Vous avez vu, hein, dès que Salinas a déclenché sa frappe, puis il était déjà au filet. Et derrière, il a pu recontrer la balle. 0-15.
Ouais, super. Très très bien. Regarde un peu le live parce qu'après il y a des questions. Belle interception de Joe. On a vu là agressif qui est venu contrer Cédric. 15-30. Allez, deux balles pour revenir à 4 jeux partout. On va voir comment Cédric et José négocient ses points. C'est une des premières grosses fautes hein, de Cédric qui a été très solide jusqu'à présent et qui l'a un peu vendangé cette balle. En même temps, c'est, voilà, ça fait une heure qu'il joue, c'est intensif, donc tout s'explique, hein. 4 jeux partout. J'ai Fred qui me demande le score du terrain à côté. Alors je suis désolé mais je l'ai pas. Alors je vais me renseigner quand même. Enfin, il y a un joueur qui a passé. Alors je vous avoue que il y a beaucoup de monde dans le clubhouse hein, qui regarde. Comme ceux qui connaissent le Toulouse Padel Club, on a la possibilité d'être dans le clubhouse au chaud et de voir tous les matchs, qui est super agréable. Et du coup il n'y a pas grand monde aux abords des terrains. Mais je vais me renseigner Fred. Et oui, il y a son pote là qui joue là. Et... pour Joe et Bastien. Quel point encore une fois, hein. C'est magnifique. Hein. Et ouais, encore un point très disputé où Bastien et Joe ont eu plein d'occasions là de finir et malheureusement pour eux ça se termine par une volée dans le filet, mais quelle intensité hein, c'est dur de faire un point, je vous assure. Oh là là, incroyable, incroyable sur une balle de jeu. Donc vous avez vu retour, lette, porte, c'est improbable. 4 partout, 40 à le jeu, on est sur un point qui est vraiment crucial. Alors là, vous voyez, là, tactiquement, il est en train de se passer des choses parce que on a vu Rosset rester au front, donc il attire un peu la balle à lui, hein, puisque là, il jouait quand même beaucoup sur Cédric Carité, et Cédric était à la volée, Rosset était au fond, donc attire un peu la balle vers lui, et ben, ils s'en sont malgré tout, Joe et Bastien ont réussi à gagner ce point très important. Allez, puis pour répondre à quelques messages, sur l'autre quart de finale, Tison Morillo ont pris le premier set 6-1, et sont menés dans le deuxième set, 3-2 en faveur de Lopez. Autier en direct, mon cher. Est-ce qu'on a un break, non, pas de break, puisque le service Tison Morillon derrière. Voilà, le match s'est resserré, un match début de premier set très compliqué de la part des Lyonnais. Un peu comme le match de Bastien et Joe, finalement, avec 6-1 au premier set, où on a deux joueurs qui sont...
pas trop dans le coup et en face une grosse paire, c'est un peu pareil. Ouais, ouais, un petit peu pareil. Après, maintenant, on sait que Joe, lui, a eu un petit peu de mal à se réveiller, enfin, plutôt parce qu'il a un petit pépin physique quand même. Ouais, il a le dos bloqué. Alors bon, donc, c'est vrai. Bon, voilà, maintenant, je crois que le dos est ça va mieux. Ça va mieux, c'est bien chauffé. Et puis, ouais. Et puis quand on les entend chanter, tout va, non? C'est clair. Là, je crois que là. Enfin, les quatre joueurs sont top. Oui. Enfin, chanter. Bon, c'est Francky, oui, un peu. Oui, c'est oui, bien, oui, chanter, oui. Parler. Un peu de poésie. Voilà. Bon, mais écoutez, là, on va vous laisser profiter du jeu. J'ai quand même une exclusivité, quand même, je tiens à le dire. Nous avons réussi à prendre quelques photos de monsieur Alexis Salles sans qu'il grimace. Non, oui, oui, exactement. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai perdu. Hein. Ah, c'est que je grimace. Ouais, magnifique encore. Hein. Vous avez vu ce match coupé de la Biboura de Ross et Louis là, c'est. Je sais même pas comment il a réussi à la ramener, hein, Bastien. C'est quelque chose. 15-0. Merci Fred, on sait qu'on est au top. Ouais, j'imagine que t'aurais bien aimé faire le voyage toi aussi, mais bon. Prochaine fois. Quelle défense. Alors, la balle de Ross et Louis a touché le grillage, donc il y a 15-30. J'ai peur que Joe se soit refait un petit peu mal au dos. Alors, bon, on vous l'a dit, hein, Francky vous l'a dit tout à l'heure, effectivement, il s'est coincé le dos depuis hier, hein, en fait. Donc il a kiné, bon, il essaye de faire le max, hein. Bon après, vous voyez, hein, il arrive à jouer, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, jamais évident de jouer en ayant des douleurs. 15-40, 2 balles de 7. Hein. Eh bien écoutez, on l'avait quand même un peu espéré sans parti pris, mais enfin je veux dire d'avoir un gros match, là je crois que là ça y est, hein, là je pense qu'on va avoir un troisième set d'anthologie. C'est annoncé, c'était quand même le gros quart de finale, hein, parce que c'est deux équipes qui jouent vraiment très très bien, hein, qui sont vraiment très fortes. Et voilà, bah, écoutez, on va se régaler pour un troisième set, hein, et que le meilleur gagne. Donc Franck, un set partout, hein, je t'annonce. Voilà, ça y est, on y est. Et à côté, donc, le score, tu sais. C'est pas interrompu, hein. C'est bon. Donc, tu me confirmes, hein, qu'on a un troisième set classique. On a un troisième set classique, hein, donc pour rappeler un peu le règlement, à partir des quarts de finale, donc on joue au meilleur des deux manches. Hein. Jusqu'à présent, on était sur des super tie-break en huitième, on en a eu d'ailleurs beaucoup. Hein. Je crois qu'un match sur deux, c'est fini au super tie-break. Alors personnellement, ben, moi aussi j'ai perdu au super tie-break, 11-9, voilà. 7-6, 5-7 et 11-9 au super tie, mais bon, c'est comme ça, hein, après... Voilà, je pense que quand on a trois matchs dans la journée, c'est un peu compliqué de vouloir faire tout en 3-7. Donc,
Et puis quand même aller un petit une petite comment on dit ça un petit salut, un grand salut, je sais plus, merde, j'ai le mot qui m'échappe, à Alban Serra, parce que vous demandez mais qui est derrière le computer pour mettre les scores, c'est monsieur Alban Serra qui est en régie, parce que vous l'avez compris, là on vous propose le top du top au My Paddle Tour, avec des caméras, avec du zoom, du dézoom, un Alban au taquet. Ouais, tout à fait, on a, là on s'en régale, je peux vous dire que entre Padel Magazine, PSE, on est bien entouré, hein. Gérard au juge arbitrage, là, avec Laurent, voilà, c'est que du plaisir. Nous, bon, on a bien bossé en amont, mais là j'avoue que tout se passe bien, on voit que les joueurs sont contents, on est bien accompagnés, donc c'est le top. Oui, Franck. Ah, très bien joué, hein, par de Joe là, qui aurait pu appuyer cette balle et qui préfère la glisser au centre, hein, encore une fois. On a un match qui est en train de virer, alors c'est vrai que peut-être un peu de fatigue aussi, hein, côté Cédric et Rossé, on les sent un petit peu moins en jambes, un petit peu plus de fautes. Et en face, ça, par contre, je crois que là, ils sont bien réglés. Donc écoutez, on va profiter de ce jeu là. 1-0 donc pour Joe et Bastien, Rossé Louis au service. Cédric fait quelques fautes là. Peut-être un petit coup de moins bien physiquement, hein, c'est possible. Hein. Allez, par rapport au score de l'autre côté, il y a 6-1 en faveur de Mourillon Tison. En revanche, 5-2, donc break fait en faveur de Lopez Autier. Ah, donc on est parti là aussi pour un troisième set. Écoutez, hein, c'est. Nous on ne demande que ça, hein, c'est des beaux matchs. On veut que ça dure, que ça joue. Alors, tandis qu'on nous demandait tout à l'heure, ce serait quand les prochains paris sportifs en ligne ? Alors, c'est à partir de quand ? Les paris sportifs. Je pense que, non, mais je pense que d'abord, il va falloir qu'il y ait plus de paires. Ouais, plus de paires, plus de tournois. Plus de tournois, même s'il y en a de plus en plus. Puisque, vous le savez, il y a quand même régulièrement... Les meilleurs sont toujours là, c'est toujours les mêmes paires qu'on voit. Ouais. C'est difficile quand même de. Puis globalement, on va dire qu'il y a des grands favoris. Hein, on se trompe très rarement pour l'instant dans le paddle, puisque vous avez Bergeron Blanquet qui ont quasiment tout remporté. Oui, là cette année, ils ont été très au-dessus du lot. Et globalement, les mêmes finales en général. Les mêmes demi-finales, même si quand même le niveau se resserre de plus en plus, et on a pu le voir encore sur aujourd'hui, enfin depuis hier, on a vu que quand même il y avait des paires. Ouais. Oula, petite acrobatie de Cédric. Ouais. Oula, non, c'est vrai qu'on voit il y a quand même de plus en plus de joueurs. On a vu cette année, si on reprend rétrospectivement avec le Master l'année dernière, on voit quand même. Beaucoup plus de joueurs, on a eu pas mal de joueurs à Paris là qui s'y sont mis. Justement, on parle de Benjamin, Tison, Fred Le Pommier, les frères Maigret, Adrien, Julien qui vraiment. Parlons aussi peut-être de ce qui s'est passé tout à l'heure lors de leur 8e du final, parce qu'on disait que dès les 8e c'était déjà très très chaud. Dès les premiers matchs, même pour les plus gros, ils n'avaient pas de temps de se chauffer. Non, il fallait tout de suite attaquer. Par exemple, Bergeron Blanqui qui rencontre en premier tour quand même le rustre
l'enchère. Hein, pour les connaisseurs, ce sont deux canonniers qui tapent très fort. Et on a pu voir Florian Lautscher qui, normalement, est posté à gauche. Là, a été mis à droite. Et on a vu que c'était une paire avec Alexandre Rustre. Redoutable, ouais. Perdre quand même en 2-7 au tie-break, ouais. Face quand même à la première paire française. C'est, ouais. Et ils ne font pas partie pourtant officiellement des meilleures paires françaises pour l'instant. Non, non. C'est dire quand même la qualité. Et puis on a évidemment... Non, et puis regarde les Max et Loïc qui sont quand même deux très bons joueurs en équipe de France, oui. Qui se sont vus accrochés par Tap Tournemire qui ont fait un super match. Absolument. Et on a eu que des matchs accrochés. Laurent Boulade avec Arnaud Henriot qui ont aussi fait un super tie-break, qui ont eu, il leur a fallu 7 balles de match pour aller au bout de Nico Trincard. Et Trincard, absolument. Ouais, non, c'est vrai qu'on voit qu'il y a du... On voit qu'il y a de nouveaux joueurs, on voit qu'il y a de l'engouement, les joueurs s'entraînent, on voit, hein, ils sont affûtés. Voilà, donc c'est super pour notre sport et je pense que dans un an, on aura encore voir apparaître de nouveaux joueurs. Donc, Tandis qu'il y a Thomas Morand hein, qui, lui, est sur les deux lives en même temps et qui nous dit que l'autre quart de finale, c'est quasiment du 100% lyonnais. Alors c'est vrai qu'on a, sur 4 joueurs, on a 3 lyonnais. On a notamment Monsieur Morillon quand même, hein, qu'on ne présente plus. Le bandeau, voilà. Alors, je vais dire du club de Cully. Ah. Mais bon, un peu tout. Il est un peu partout quand même. Il y a Monsieur Lopez, ouais. Un peu partout également. Et qui va surtout aller à Madrid l'année prochaine. Qui part à Madrid effectivement et qui jouait, je pense, régulièrement aussi à Paddle Central, oui. Au Paddle Club de Lyon. Le TCM5 un petit peu aussi. Et puis bon, il y a un François, petit peu. Donc, et puis François, quand même, lui c'était TCM5, sauf que il va prendre en charge la partie sportive paddle du nouveau club lyonnais Esprit Paddle, ouais. Voilà, à Saint-Priest. Il va être le monsieur incontournable. Avec un gros complexe, hein, magnifique. Ah, avec un gros complexe. Bah, ce sera le plus gros complexe sportif de paddle dans la région lyonnaise. Hein, ouais, si je ne m'abuse, mon cher. Ouais, non, c'est Alex. Ça. Et où on ira faire un My Paddle Tour d'ailleurs, hein, l'année prochaine. Quelle date ? En octobre. Je ne saurais pas te dire comme ça la date, mais en octobre. Alors, revenons au match quand même, hein, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse dans un premier temps. Donc, je vous rappelle, hein, le score, on est à 2-1 au troisième set pour Blanc et Bergeron, au service Cédric Carité et 15-0. C'est insupportable. Non. On a 2-1 ? 2-1, ouais. Allez, pourquoi il me sort qu'il y a 3-7 ? Ah, d'accord. Oui, bon, évidemment, on vous rassure. Ne soyez pas triste. Il s'agit bien d'un 3ème set. Il y a actuellement 2-1 et non pas 2-1 ou tie-break. Non, mais, hein, mais personne. Hein, voilà. Personne. Qui a dit, personne. Je vois que le live score, tout est nickel. Monsieur Alexis Isaac, que je surveille de près, dit des choses à la perfection avec les salés, Les salés, n'importe quoi. Il est fatigué. Ouais. Avec les lacets des fées, c'est ça que je voulais dire, ouais, et non pas les salés. Allez, 45, 2 balles de jeu partout. Donc là, en fait, Joe a doublé la balle. Hein. C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés. Il a touché deux fois la balle avec sa raquette. Donc le point est pour Cédric Carité. Et José Luis Salinas au service. Bastien Blanquet. Bastien, parce qu'on parlait des joueurs lyonnais, mais donc on a quand même un quatrième joueur lyonnais là, hein, en face de nous, donc Johan Bergeron. Et après deux locaux, donc deux Toulousains, donc Bastien Blanquet qui est de Toulouse et Cédric Carité également. Donc voilà, ce sont les deux seuls représentants régionaux qui restent en lice. Hein. Donc il n'y en aura plus qu'un ce soir.
Bon, alors, par contre, vous avez le droit également de nous dire si tout va bien de votre côté au niveau son, puisqu'effectivement, on est au courant quand ça ne va pas, mais quand ça va, on ne sait pas. Alors, n'hésitez pas à nous le dire, puisque, Alexis, si tu es témoin, bon, on est entouré de tôle, on est entre de la tôle et une baie vitrée, on a 2 mètres d'écart, et donc, pour que ça passe, hein, au niveau débit, il faut, on le doit à Alban Serra, qui est un magicien et qui a été capable avec... avec ses doigts, avec son intelligence, avec sa clairvoyance, avec sa technicité de pouvoir nous faire encore un truc exceptionnel. Ah, c'est vrai, c'est le problème de ces complexes avec la tôle, parce que là, c'est compliqué. C'est pas évident, non, quand on est en indoor, même pour les téléphones pour appeler, ça coupe, c'est pas évident. Donc, Et oui. El grande, el animal, el bancera, animal. Bon, les Espagnols, ils disent tout le temps animal, c'est vrai, hein? Animal. Animal. Ah bon? Ah ouais, ils disent tout le temps ça. C'est sûr que tu comprends bien l'espagnol, toi? Bon. Parce que animal en espagnol, je crois que ça n'existe pas. Hein. Ah si, je crois. Enfin, souvent, on me dit Franck, animal. Ah, peut-être que ça ne veut pas dire peut-être bien joué. Ça veut dire peut-être, fait chier. Franck, qu'est-ce que tu fous? Ouh là là. Alors que je vois un match de filles, Franck, c'est ça, tu me confirmes? Pardon? C'est peut-être le match de filles qui se... Parce qu'on a aussi les quarts de finale, on a notamment un gros quart de finale entre Léa Godelier avec Marianne Vandel... Vandael. Contre Lynn et Lynn Meites. Et Océane Kik. Absolument, c'est une première hein, pour toutes les deux. Ouais. Elles vont pour la première fois jouer ensemble. Et donc 3-2, hein. Vous avez vu que là, Rosé Luis a raté un peu l'immanquable, mais voilà, lui aussi, hein, je pense qu'il fatigue un petit peu. Hein, on est dans le troisième set. Donc 3-2 pour Bergeron Banquet. Je pense que ce match nous réserve des surprises. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va voir des choses intéressantes là dans les jeux qui arrivent. Parce qu'avec la pression qui monte, on devrait voir les joueurs au top là. Après, c'est. On sent que Bastien et Johan ont monté d'un cran. On sent aussi qu'en face, il y a moins de. Voilà, il y a quelques fautes de précision, quelques fautes de placement. Donc un peu de fatigue, je pense. Hein. Je pense que le physique peut jouer un rôle très important dans cette fin de rencontre. En même temps, la patte gauche de Rosé Luis peut aussi faire la différence parce qu'on le voit, hein, c'est quand même. Un joueur assez exceptionnel qui, je répète, quand même a été 60e mondial hein, il y a encore 2-3 ans, qui faisait le circuit professionnel. Donc voilà, on a quelqu'un quand même qui est très fort, mais qui commence à rater. Qui commence à rater, et là on le voit de plus en plus. Après, c'est pas facile, hein, Cédric et Rosé Luis, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. On sait qu'au padel, voilà, les individus, c'est important, mais c'est surtout l'équipe. Et ça peut, voilà, c'est sûr que sur des moments un peu difficiles, ça peut jouer. On va voir. Très beau ce match claqué de Cédric Carité. 15 ans. Donc apparemment, le son va bien, tant mieux. Hein. Merci les gars. Très bien ce match, hein, à part de Cédric là où. Ah, c'est bien joué. La série qui a vraiment bien construit son point et c'est Salinas qui l'a terminé. Hein. Mais de gros schmatchs, hein, parce que je peux vous dire que Bastien il est présent, il est vraiment bien physiquement et pour lui faire un point c'est compliqué. 30 ans.
Ouais, voilà, on vous parlait un peu d'un peu d'incompréhension quand deux joueurs ne se connaissent pas. Là, on l'a vu, hein, ils se sont gênés, ils ont parlé tous les deux, personne n'a joué la balle. Au final, c'est un point très important et ils vont devoir sauver une balle de break s'ils veulent rester dans ce match. 30-40. Donc 40 à balle de break sauvée. On a vu. Et bien là, c'est au tour des deux jeunes de pas se parler. Balle de 3 jeux partout. Ah là, il y a eu faute un peu importante là de Joe. 3 jeux partout. Allez, et bien on reste dans un troisième set très disputé. Hein. Donc là ils ont eu une petite occasion, mais voilà, je pense que chacune des équipes en aura et tant mieux pour le spectacle. J'espère que vous régalez. Un petit peu de réussite pour Bastien hein, qui on voit un petit peu d'énervement là, les joueurs s'agacent un petit peu, on est 3 partout dans le troisième set, rien de bien méchant. En fait, pour ceux qui forcément, s'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, c'est simplement que il y a eu une balle, Bastien a fait une balle lette, José Luis a raté la balle et reproche à Bastien de s'être encouragé. Voilà. Alors que je pense que c'était plus le fait d'être dans 3 partout, 3 M7, qu'il... Donc, je vous rappelle le score, 3 jeux partout et 30-15 pour Joe et Bastien. On a vu là Joe qui a fait une première feinte de ce match claqué et puis qui la deuxième il y est allé, c'est bien, il a pris ses responsabilités. 45. Et bien voilà, là c'est au tour de José Luis d'avoir une balle, d'avoir le filet avec lui. Donc 40-30, on est sur un jeu un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de fautes là et voilà, on sent que là les 4 joueurs sont un petit peu. C'est surprenant là ce jeu, ce qui se passe. Ah, très belle volée, hein. Superbe volée au centre. Très coupé. Voilà, et bien donc on est toujours au troisième set, 4 jeux à 3 pour la paire Blanc et Bergeron, pas de break. Et à côté, il faudrait que je me renseigne, mais je crois qu'on est dans le troisième set. Oui, on est dans le troisième set. Mais je sais pas combien. Non.
Donc 4 jeux à 3, service Salines. Ah, c'est un point magnifique là. On sent que ce premier point du jeu il est important. Oh là 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 là. Et ouais, Bastien était un peu gourmand là. Il avait tout le cours ouvert sur Série Carité pour reprendre le filet. Il a voulu surprendre José Luis et il s'est fait un petit peu prendre par son propre jeu là. Il avait beaucoup plus simple comme solution. Mais bon, il faut aussi savoir prendre des risques. Et ça fait partie du jeu. 15-0. Bien joué, José Luis. Voilà. Très bien joué de la part de Joe au centre. On a mis un peu José Luis là, du coup, tirer un peu la patte là, sur ce coup. 15 ans. C'est magnifique, hein. Magnifique ce que fait Joe là, notamment là, il fait des défenses. Et il arrive à conclure. Alors, je peux vous dire que ça joue, mais c'est vraiment là ce qu'a fait Joe, c'est monstrueux, hein, parce que là, José Luis, tu as mis des matchs dans tous les sens, à 3 cm du sol, et non seulement il arrive à tout défendre, il finit en claquant un smash. Bravo, hein. Vraiment, c'était magnifique. 15-30. Oh là là là. Oh. Alors là, je sais pas si vous avez suivi, mais Bastien est sorti, il avait le cours ouvert, il adore ça, et puis en fait il a tellement tapé qu'il a envoyé la balle, mais c'est parti comme un Airbus. Hein. On est dans la ville de Toulouse, mais là, je vous assure, c'est allé à 10 000. Donc, bien joué Série Carité qui a pris ses responsabilités, qui est allé frapper cette balle alors qu'il sait que Bastien est un bon contreur. Bravo à lui, 30 partout. Oh là 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 là. Eh bien, nous sommes sur une balle de break. Donc 4-3 Blanc et Bergeron et 30-40 service José Luis Salines. Et c'est vraiment ce régal. Hein. Vous avez vu encore, Joe est allé sortir la balle, il a ramené et José Luis était super attentif, donc il a réussi à glisser cette balle. 40 à. Alors vous avez promis du beau jeu, là je crois que vous êtes servi. Quelle défense de Bastien! Quelle défense. Ah, alors là la balle a touché le plafond, enfin la poutre. Ça arrive, ça fait partie du jeu.
balle de 4 jeux partout. Ah, c'est bien. José Luis et Céric ont été très solides. Ils ont pas du tout, ils se sont pas affolés. Ils ont continué à jouer leur jeu. Et ils ont réussi à revenir dans ce jeu là qui était pourtant mal engagé. Donc les compteurs sont à zéro, 4 jeux partout. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Voilà, José Luis a glissé une petite balle là, magnifique. Hein. 0-15. Ah, la balle est bonne, quelle défense. Voilà, grosse grosse défense de José Luis là. Je peux vous dire qu'il est cherché une balle, je sais pas comment il a fait. Hein. 0-30. Oh. Un peu de réussite là, hein. Bastien qui était qui a pris la balle du bout de la raquette. Et heureusement pour lui et malheureusement pour les autres, la balle a pris le grillage et est venue se tout doucement sortir du terrain. 15-30. Et deux balles de break donc pour Carité Salinas dans ce troisième set. Voilà, les points sont vraiment disputés, hein. On sent que les deux équipes sont très proches. On va voir comment les joueurs vont gérer la situation. 15-40. Et voilà, vous avez la réponse, hein. Je crois que les 4 joueurs étaient à 300% sur ce point. Et ouais, Bastien a voulu forcer un petit peu la décision en même temps. Hein. Il faut bien faire le point à un moment donné. Donc il a pris ses responsabilités et c'est allé dans la vitre. Mais puis on a vu là, hein, José Luis, il a tout donné, hein, sur ce point. Je peux vous dire qu'il est allé chercher. Il est vraiment allé puiser au fond de lui parce que on l'entendait. Hein, il gémissait à tous les points là. Et donc nous sommes au troisième set et la paire Carité Salinas vient de breaker et mène 5 jeux à 4, service à suivre.
Alors, vous entendez peut-être là, c'est Pierre-Étienne et Benjamin Tison qui sont dans le troisième set. Et là aussi, ça crie, ça joue, ça. On se régale. Allez. 5-4. Carité. Salinas. Radio et Bastien hein, qui sont dos au mur, mais ils ont gagné tellement de matchs cette année que bah ils y croient hein, c'est sûr qu'ils sont pas loin et ils lâcheront rien jusqu'au bout hein. On l'a vu là, ils sont solidaires, ils savent qu'ils sont pas loin, qu'ils peuvent breaker, ça va être dur, mais ils auront des occasions dans ce jeu. Oh là 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 là, incroyable, incroyable. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Ah ben même eux ils en rigolent. Hein. Bon, et eh ben voilà, vous avez assisté en direct. Ah, ouais. Alors moi j'ai les commentaires de Joe qui dit qu'il sait plus où il en est dans le terrain. Bon. 15-30. Une grosse faute de Cédric, hein, mais il en fait pas beaucoup. Ça arrive. Ouais, bien joué Cédric. Il a retourné les balles dans les pieds. 30 à. Il a, je crois que là, il a fait un contre exceptionnel. 30 à. Superbe ce match, hein, de Cédric est allé toucher la grille là et qui permet à l'équipe d'obtenir une balle de match, donc 40-30. Et bien cette balle de match est sauvée. Joe est un peu en transe là. Je vous avoue que je crois qu'il a tout donné dans ce match. Égalité. Oh là 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 là. Alors ce qu'a fait Joe, je sais, c'est exceptionnel. Il a fait une demi-volée. Où il est venu bloquer Cédric sur sa volée de revers. Et derrière, ça a ouvert tout le court à Bastien pour placer sa volée. Bravo, c'est pas facile dans un moment de ce match. Et la balle est faute. Et donc, on arrive à 5 jeux partout. C'est assez incroyable ce qui se passe là. Il n'y avait pas eu un break du 3ème set. Et puis, ben, coup sur coup, on a. Break contre break, bon, je crois que les deux équipes sont très proches, hein, donc ça va être serré jusqu'au bout. Donc 5 jeux partout. ...15-0. Je pense que ce match va laisser des traces hein, dans le reste du tournoi, parce que il y a une intensité, je peux vous assurer que c'est quelque chose. Hein.
30-0. On a le retour de notre cher Francky, voilà, qui va me tenir compagnie parce que j'ai froid. Alors, si vous saviez ce qui fait froid, 40-0. Après, on se régale, hein, heureusement. Mais Francky, ça va? Ah, écoute, là, je peux vous dire qu'il y a, il y a pas mal de monde. Il y a beaucoup de monde dans le clubhouse. Il y a beaucoup de monde, ouais. Bon, il y a un parti pris aussi. Hein, il y a les, c'est vrai que le public est. Oui, ben. Au moins autant que Blanc et Bergeron. Et encore, écoute. Mais c'est vrai que. Ah, ah ben voilà. Yeah. En direct, 6-5. Ah, c'est vraiment un match. Mais je sais pas si tu as vu, moi j'étais à côté hein, tout à l'heure, Salines, hein, qui était tout à l'heure mécontent. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns là-bas qui pestaient un petit peu sur le comportement peut-être de Rossé Salines. Mais en même temps, il était en train de dire il y en a ras-le-bol. Il crie sur chaque point et ouais. Il crie même sur nos propres fautes bêtes. Ouais. Et c'est vrai, allez, il faut être honnête. On peut être honnête, on les aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a par moments, ouais, mais... franchement, c'est un match qui est vraiment qui a pas besoin de ça pour. Voilà, pour bah après, c'est la raison pour laquelle je le dis, parce que peut-être qu'on peut voilà, critiquer le comportement qui est critiquable hein, d'ailleurs. Hein, Salines qui est peut-être même méchant, méchant. Peut-être pas sympa avec son partenaire et avec les adversaires, mais c'est vrai que ça lui montait à la tête à chaque fois, voilà. J'explique pourquoi il commence, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. J'étais à côté et voilà, il était mécontent du comportement de ses adversaires. Mmh. Voilà, voilà le pourquoi du comment sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Je sais pas ce que t'en penses toi. Non, on le sait. Moi, j'en ai déjà discuté avec eux, Johan et Bastien. C'est vrai qu'il faut qu'ils. Alors, ils sont jeunes, oui, mais ça n'excuse pas tout. C'est vrai qu'ils sont, ils ont tendance à en faire un petit peu trop sur l'encouragement. Alors, c'est vraiment pas pour déstabiliser l'équipe, hein. C'est une, la manière de s'encourager. Et c'est vrai qu'ils sont tous les deux un peu fougueux, donc, et il y en a pas un qui tempère l'autre. Donc, c'est vrai que. Il pestait pas là-dessus, hein. Il pestait sur le fait qu'il crie encore plus fort lorsqu'il commette une faute par exemple. Non, mais ça, c'est pas vrai. Voilà. Ça, c'est par contre, ça, c'est de la mauvaise foi. Parce que. Je pense que, non, mais je pense que c'était plus dans la tête. Mais c'était son impression à lui. Ouais. Voilà, c'était là-dessus. Non, mais c'était là-dessus. C'était son impression à lui. Mm. Je dis pas évidemment qu'il a raison de penser ça. Évidemment. Je pense qu'il a tort, mais non, bon, ouais. Voilà, quand on est dans le match, voilà, on perd un petit peu aussi de. Tout à fait. Non, mais ça fait partie du jeu. Après, je pense que voilà, après il faut qu'ils apprennent aussi un petit peu à se canaliser là-dessus, mais bon. Bon, en tout cas, je pense qu'on va surtout se, ouais, voilà, on va se reconcentrer sur le. Non, mais c'est du vrai coup, Francky, tu m'as fait perdre le score là. On en est où? 15-30 ou 30-15? On en est précisément à 0-30. Non. À 15-30. D'accord, 15-30. Ouais. 15-40. Donc on est à 2 balles de match. 2 balles de match, ouais. Bon, ils sont très costauds hein, quand même, hein, les pépères. Très, très, très costauds quand même. Parce qu'en face c'était oui. enfin c'est pas fini d'ailleurs hein, mais c'est une grosse équipe. 15-40. Oh là. Ah, c'est incroyable. Les défenses. C'est incroyable. Oh, incroyable. Alors je vous ai dit une grosse bêtise, ouais, c'était pas une balle de match. Je suis désolé. Et voilà, ça c'est Francky ça. C'est ma faute. J'ai déconcentré tout le monde. J'ai déconcentré également le régisseur. Donc c'est une balle de match. Et c'est une balle de match sauvée par Salines Carité. Donc on est à une balle de match sauvée pour chacune des équipes. 41. À Thomas Morand qui dit que ce sont des monstres, absolument. Oui, d'égalité, hein, on est égalité là, absolument. Oh là 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 là. Non mais c'est pas possible. Oh là là là. Incroyable. Ouais, et crème, j'ai peur. C'est vrai qu'ils sont un peu bruyants. Ah, ça viendra.
Oh là là là. Oh là là. Ah ben, elle a touché le grillage, hein. Elle est super bien ce match. Hein. Quand même aussi mention spéciale à Cédric Carité qui est extrêmement calme. Ouais, très il calme. Est à fond dans son match. Ouais. Et c'est vrai que face au tempérament de feu de Rossi Salinas, c'est bien que Cédric soit là comme ça, très, ouais, très concentré. Et même s'il voit que parfois c'est un peu borderline, il est là. Ouais. Franchement, notons quand même ce. Ouais, c'est parfait. Ouais. Non, il fait un très gros match, Cédric. Ouais, il n'y a rien à dire. Il a eu un petit coup de moins de bien en début de troisième, mais là il est revenu. Donc, ben vous voyez les deux compères là, allez, qui ne peuvent plus. Je crois que c'est direction de pastis. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils vont se faire un petit câlin. Hein, je sais pas. Ouais, allez. 30-40. Mais c'est vrai, Franck, ce que tu dis là sur le comportement de Cédric, qui a été vraiment impeccable tout le match. Et deux grosses fautes de Bastien sur les deux balles de match, deux coups droits. Après, hein, les matchs sont difficiles à reprendre, mais deux fautes surprenantes là. 40 ans. Ah là c'est très dur là, pour Carité Salinas là, de prendre une ballette comme ça sur un point aussi important. Là ils ont vraiment pas de chance. Troisième balle de match. Quelle défense, mais quelle défense. Ah, c'est exceptionnel. Incroyable, incroyable. Oh là là, oh putain, c'est pas... Incroyable. Incroyable. Oh non. Putain, oh là 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 là. C'est incroyable. Bon, mais... Non mais c'est pas vrai, mais quel match. Bah c'est. Mais écoutez, là je sais pas quoi dire. La balle de match, c'est peut-être le plus beau point de la partie. Bah, bravo aux 4 joueurs vraiment qui nous ont fait un spectacle extraordinaire. J'espère que vous êtes régalés, nous en tout cas, voilà, je crois que c'était... Je sais pas si vous l'avez vu là à la vidéo, mais ils ont fait, enfin, surtout pas Blanquet là, il nous a fait un truc. Franchement, on croyait que le point était terminé. Rossellou Salinas avait fait une balle extrêmement coupée croisée. Ouais, on s'est dit c'est terminé. C'est fini. Et là, il nous fait un petit tour sur lui-même. Enfin, je sais pas, tout le monde est surpris d'ailleurs, hein, les deux volleyeurs sont surpris. Ouais, tout le monde public est surpris. Je pense que même Bastien était surpris. Je crois que tout le monde est surpris. Un point de dingue, ils sont je pense que peut-être pour résumer la partie, ce qu'on peut dire, c'est que je crois que ce qui a primé peut-être ce soir, c'est vraiment le côté équipe de deux joueurs qui jouent ensemble, qui s'entraînent ensemble, qui vivent ensemble et qui du coup se connaissent par cœur, et deux joueurs qui sont très forts, parce que Salinas est quand même un joueur assez exceptionnel et Cédric un très bon joueur, mais peut-être la différence se fait sur le fait que qu'ils se connaissent moins, il y a moins d'automatisme, et sur un match aussi accroché, je pense que c'est peut-être ce qui a fait un petit peu pencher la victoire côté Johan et Bastien. Mais enfin, encore une fois, ça s'est joué à rien du tout. Ils ont une balle de match. Je crois que voilà. J'espère que vous êtes régalés avec nous. Il y en a qui disent c'est la finale avant l'heure. Bon, il va y avoir du. Ouais, c'est pas dit encore. Hein. Il va y avoir de très bons matchs également. Ouais. Après, bon, oui, effectivement, ça pouvait être une finale. Il se trouve qu'ils étaient dans la même partie de tableau. Et il va y avoir, je pense, à Moreau Le Pense, grosse paire à surveiller. Et puis les Jérém qui sont là encore. Les Jérémy, et les Jérém qui, quand même, n'oublions pas que. Parce qu'ils font pas tous les tournois. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui peut-être encore. Qui font partie des favoris avec Bastien Blanquet et Bergeron. Et puis il y a une chose, hein, c'est que le match là qui vient de faire Johan et Bastien, ils avaient déjà eu un premier tour difficile, là ils ont un match quand même très compliqué. Ouais. Ça laisse des traces, et sur un tournoi où il y a 4 matchs pour gagner le tournoi, à la fin ça peut jouer aussi. Donc ça change un petit peu. Hein. En règle générale, ils vont jusqu'en finale plutôt tranquillement. Ouais. Ils avaient fait trois tournois à Valenciennes, ils avaient mis les fessiers un peu à tout le monde. Bon, ouais. Voilà. Et là, c'est un tournoi, c'est peut-être pour
eux le tournoi le plus compliqué. Ouais, finalement, c'est le tournoi de fin d'année, le plus difficile sur, on va dire, tous les tournois qu'on a pu voir jusque-là. Ouais. C'est le tournoi où ils sont vraiment, on va dire, dans le jus du début. C'est vrai. Premier match, bah, oui. Peut-être. On l'a dit. Après, c'est vrai que Joe, il s'est bloqué son dos, donc il oscille entre le kiné, les phases de repos, donc on le voit, il y a pas de souci pour lui, mais c'est dur, je peux vous dire qu'il a mal, et donc c'est jamais évident, donc dans une compétition comme ça, quand on est un petit peu diminué vu le niveau des équipes, mais bon, ils sont là, ils s'accrochent, je crois que voilà. Allez, bravo, je crois que c'est l'heure de l'apéro, non? Moi, je vais surtout essayer d'aller me réchauffer un petit peu là, tu vois. Parce que en tout cas, les internautes sont vraiment au taquet. Et bravo, super match, gros match, le top. Bravo les bébés. Évidemment, on parle de Bergeron Blanquet. Et puis, Elodie Roy qui dit, après ça, on peut mourir tranquille. Ouais, je vais attendre un peu quand même, personnellement. Mais... Allez, il va y avoir un autre très beau quart de finale, puisqu'il va s'agir de... De mon cher Alexis. Donc il y a les deux Jérémy, Scatena, Ritz qui vont jouer contre Erwan Nicole et Loïc Tap. Et à côté, Le Pense Moreau face à Henriot Boulade. Voilà. Ben écoutez, à plus tard. À plus tard.